Il y a tout juste un an, les filles Washington ont Salut à quitté la tous, c'est sécurité Etsy, du chalet de j'espère leurs que vous allez parents en bien. Moi, pleine ça va tempête de plutôt neige. nickel. Aujourd'hui, on se Eux retrouve ne le donc suivent pour le pas deuxième officiellement, épisode non. de Une Until personne en Dawn. particulier retient toute notre attention, J'espère mais nous que ignorons le toutes dernier, son amplitude le dernier d'enfant épisode, et le la des premier épisode antécédents vous a intéressants plu avec la et famille que celui-là va Washington. vous On met plaire en en tout garde cas. contre la poursuite de leur projet de On se construction retrouve et disait sur que la c'était assez sacré pour ses cinématique. ancêtres. Il y a toujours un ancien Donc je vais hôpital vous laisser psychiatrique dans la écouter. montagne. Se pourrait-il qu'il s'y En... cache? Mes hommes ont Déjà, fouillé comme le on l'a vu dans terrain, le dernier mais épisode, vidéo, les Anna filles n'ont pas pu aller et jusque-là. Bête, je Quelque crois qu'on chose a dans cette elle montagne s'appelait, semble déclencher des qui sont tragédies. morts Ça vient de le à dire, cause Martin. du mec Merci d'être venu nous chelou voir. là, parce qu'il voulait sauver, Washington mais ce c'était soir. bizarre, enfin Fils bref. Josh, à Ils l'occasion de sont l'anniversaire morts de et la on va leur voir mystérieuse ce qui se disparition passe. d'Anna et Bess Washington. Voilà, Bess, Salut à Bête, tous, bon amis allez. Evan. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. De partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti! Moi je dis, ce jeu est premier, mais il a l'air d'être tellement kiffant quoi. Et deuxième petit let's play franchement sur ma chaîne. Ça fait plaisir. En plus, on va dire à peu près jeu d'horreur. Momento Mori. Du joueur jusqu'à l'aube. Voilà. Encore le genre. Oula, encore le psychopathe dépressif de la ville. Mec chelou là. Sam. Meilleur ami d'Anna, bienveillante. Ok, continuez. Bon, bah. Sam. Eh hey, oh! Y'a quelqu'un? Oui. Peut-être il est planqué, tu sais, en mode. Chemin du téléphone. J'adore le bruit de neige, il est trop bien fait. En tout cas, deuxième épisode, là ça va vraiment commencer. Utiliser le joystick droit pour regarder autour les objets pouvant. Ok, déjà il y a un mot. On va le prendre. Alors, le portail est cassé, grimpe par-dessus. Chris. C'est gelé un petit peu, non? Bon, c'est pas grave. Ok.
Ah putain, c'est vrai que c'est le jeu. Ah ouais, je fais comment pour me... Attends. Escalader. Un rapide, prudent. Oh, rapide. Oh le con, j'ai failli louper le... T'as sauté là. T'es pas obligé de faire caca meuf quand tu grimpes un truc, wesh. Oh, le mec il est planqué dans les buissons mon pote, laisse tomber. Voilà, faut aller où là? Allez par là. Tu vois le truc? Salut petit gars. T'as faim? Tu veux des bonbons? Oh merde. Merde, j'ai fait quoi? N'aie pas peur. C'est bien. Allez. Oh putain, ouais, faut rester. N'aie pas peur. Jamais contrôler moi C'est la bien. manette. Allez. T'es chou. Pas un petit peu froid toi? Ça fait 3 fois que t'essayes, t'as pas un petit peu froid? En tout cas, ça a l'air d'être vraiment une bonne ambiance et tout, parce que déjà dans les oreilles et tout, le bruit des pas et tout, c'est vraiment stylé. Moi, je kiffe en tout cas. Tu sens le mec qui va chier dessus. Voilà. La population indigène et les poètes des papillons, des tribus qui... Les papillons noirs. Ok, le papillon rouge, c'est le danger, le papillon marron, c'est... Ok, c'est tout ce que veut dire les papillons. Ouais, c'est un truc chelou, ça. Bam. Les tacticiels, vous décrivez un totem, dans un seul totem. Là, on le retourne normalement. Totem du conseil. De conseil. Le futur est... Voilà. Donc là, ça va vraiment commencer, quoi, en fait. Je ne sais les conseils, ok. C'est que ça va vraiment limite commencer en fait. Wow, des graffitis à cette hauteur. Le passé est hors de notre portée. Il y a des trucs bizarres. En plus avec du sang. Chris, est-ce que t'es là? C'est fermé. On va vérifier le sac. T'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Non, c'est chelou, tu sais, en plein milieu comme ça. Fouiner ou fermer le sac. Mais qui voilà? Salut fouineuse. Protecteur comique, ouais, ça joue une tête de connard, ouais. Tu m'as fait peur. Attends voir, t'es pas mon assistante?
mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où ? Juste à côté. Tu vas halluciner. Bon, bah, on le suit, c'est parti. Tu me diras, je regarde même pas sa tête, c'est la meuf, elle regardera de tout. Tada ! Allez ! Fait, non ? D'accord. Ouais ! Quand même, t'as vu ces merveilles ? Connard. Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non. Il se prend genre pour Davy Croquette. Tu veux essayer ? Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Ah, la balle avait lui. C'est tiré, lui ? C'est tiré, toi. Oh ! Merde. Boum, la canette. Il est où le truc? Boum, la canette. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Là, tu tires des balles. Waouh, hein, joli tir, cowboy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Ouais, mon pote, vas-y, tire. Bim. Bah... n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Et là, l'écureuil, tu vas l'avoir à cette distance? Non, il va pas faire ça quand même. Oh, le bâtard, le bâtard, le bâtard, le bâtard, le bâtard. Voilà, le headshot de sa mère. Dans le mille. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Chris, t'es vraiment un con. Quoi? Ce pauvre petit était encore en vie il y a à peine 10 secondes. Oh, ça va, les écureuils, c'est des rats avec une queue touffue. Franchement, j'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Il lui a mis une bastogne. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Dégage-le. Merde, est-ce que ça va? Cette montagne me fout déjà les jetons. Hé, hey, regarde, le téléphérique arrive. On va aller le prendre. Pardon. Il a fumé le machin. Ah d'accord, j'incarne le mec, mais... Ouais, yeah, comment on fait? Il est trop perdu, tu sais. Oh la vache, regarde ça. Indice se trouver... Alors... Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fédivère? Sexe, masculin, taille... 1m88 des dernières, adresse connue, Blackwood Bain... Fait la dernière fois, le 16-03-1998... Ouais, la date de ma naissance, yellow, yellow. Recherche pour un criminel, menace de mort, toute personne. Ok, c'est bon, je m'en bats les couilles. Winted. C'est vraiment. C'est quoi ça? Bizarre de revenir ici. C'est bizarre d'incarner Chris alors qu'on était la fille. Clair, enfin. Logiquement, on va incarner un petit peu tout le monde dans le dans la maison quand on va être dans la maison. Ça, donc, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais. Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Tu l'as dit que c'était flippant, mon pote. D'ailleurs, il sort d'où lui en fait tout à l'heure? J'ai pas compris si il sort de nulle part. Après toi? Oh, un vrai gentleman. Ok. Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Black Pen Hotel et Station. Hein? Même en Sanatorium. Ils ont acheté qu'une montagne. Non, bah, ils se sont pétés de thunes. Tu sens le mec qui voit des touches chelous.
n'est pas là. Il est là. Enfin, on y va. Ouais, bah, tu le sens, toi, le vieux truc en ferraille, sa mère. Ok. Vas-y, entre dedans. Ouais, comme au bal de promo. Ah, moi je suis prêt, moi, mon tas dedans, mon pote, je suis là, ce machin est tout foncé. Allons-y. Bien, l'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Ils ont le temps de faire l'amour 5 fois avant que ça monte. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ah oh, ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et? Bah, j'ai dû aller au fond. Et? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi? Boum! L'effet papillon. C'est chaud. Il y a beaucoup de cinématiques par contre, c'est fou. Après je pense que c'est le début, je sais pas s'il y a... Si... Après voilà, comme il dit, c'est un jeu un petit peu film d'horreur. Jess, la nouvelle copine de Mike, naïve et irréveillable. Pas compris ce mot. Moi, être français, mais pas français. Tiens. De nouvelles personnes, allons les accueillir. Allez, vas-y, passe des connasses, vas-y, va les accueillir comme ça là. Jess, hey. Jessica, par ici. Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Oh putain, ouais, faut lâcher et tout. Ouais, ça c'est bien, c'est vraiment interactif. Putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichu. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là. Hé, Chris. Je fais juste ce que ça m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con? C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande... Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. M dégage, moi j'arrive. Oh, la pute, pardon. C'est un bâtard. D'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire, peu importe, on verra. Sam? Oh, vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Ouais. Parfois, magnifique, j'oublie de mais... juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Après, ça sera peut-être pas trop magnifique, je pense, dans le chalet. Sérieux? J'aurais pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique. Emily, ex de Mike, entreprenante et persuasif. Ok, poupée. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt,
le nouveau copain d'Emily. Ambitieux, sportif. Ouais, ça se voit par contre. Tu vois ? Et notre porteur, hein ? Il est où ? Allez, vas-y, vas-y. Par là, c'est lourd un petit peu. Oh, j'ai des frissons. On y est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Enfin, qu'est-ce que t'en penses ? Putain, il est fou, mec, ça. Mike. Ex-Divini. Débrouillard, déterminé, persuasif. Sérieux ? Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, il est sérieux. Trop bon, mec. J'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein ? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. Des ex, c'est tous des ex, tous des copains, tout là. Se mettre dans l'ambiance. Des potes. Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme non, ça. Non, en parlant comme de ça, il y a peut-être des live facecam qui vont arriver aussi. Enfin, vous verrez ça plus tard. Histoire que. On fasse des facecam. Accueillant, nous sommes tous tes amis ici. Dégage, mec. Accueillant. Michael. Je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord ? Matt. D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool ? C'est cool. Vous allez vous ploter, maintenant ? Oh oui, on veut trop se ploter. Putain, il est con. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin. Ok, à plus, mec. À plus. D'accord. A plus. Ah, oh, merde. Quoi ? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais, tous les sacs. Pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, oh, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Je ne te laisse pas seul, ok. Mais ok, je vais y aller. Bon, d'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon ? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Ok. Ouais. Ça a l'air d'être vraiment chaud, chaud, chaud. Encore une petite cinématique, non ? C'est qui ? Oh. Ashley. Curieuse, honnête, studieuse. T'as le regard des rochers. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de la rupture. Ça sent le truc chelou. Ah ! Putain ! Bordel ! Ah, le bâtard ! Désolé, H. Je suis désolé, je voulais pas te faire peur. Putain, mais screamer pas le pays, ou... Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur, pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier ! Non, mais désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes ? T'as vu un truc intéressant ? Laisse-moi regarder. Mentir. Vas-y, regarde, mentir. Non, c'est un peu cassé. C'est pas vraiment intéressant, quoi. Quoi ? Enfin, c'est juste. Sérieux ? Je parais que je pourrais trouver un ours en train de bouffer un renard ou un truc du genre. Non. Fais comme tu veux, non. Non, vraiment, Matt, t'abîmes pas les yeux avec ça. Le simple fait de regarder dedans m'a donné mal au crâne, alors non. D'accord. Bah, pas de soucis, si tu le dis.
Eh ouais, gros. Ta meuf qui veut se refaire son ex. C'est chaud. Jessica. Elle est toute seule, elle a pas froid, c'est. Portable livre. Oh. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Bah, j'en sais rien, si tu présentes ça comme ça. Hé hey. Oh! Super! Tu vas le payer, tu sais ça? Ah bah maintenant fais des boules de neige. Où est-ce que tu te caches, ma petite poulet? Wow. Ah, ah, ah. Mille. Hey. Je crois qu'il fallait esquiver, je suis pas sûr. Y'a quelqu'un? Allez! Hey Mike! Ok, ouais, tu m'as eu. Okay. Ah, l'amour fou dans le pays. Oh. Parfois ne rien faire est meilleur des choix. Ah, faut peut-être rien faire. Mais... Jess. Et puis quoi? Ça suffit. Oh non, ça suffit pas. Tu vas finir par taire. Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. On peut faire ça dans la neige quand même. Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, vile Manon? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok. Ça sonnait un peu sale, là. Madame. Embrassez Mike, vas-y, embrasse, embrasse, embrasse. Waouh, garde-en pour plus tard, mon grand. Mes réserves sont inépuisables. On devrait rentrer au chalet. Ouais, ouais. C'est joli ici, pourtant. Faire des trucs chelous. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Bah, ça c'est failli. Paf, encore un arrivant. Bonjour, bonjour. Ah. Comment allez-vous? Je pense que on va arrêter ici parce que ça doit faire au moins nous avons pu établir 15-20 minutes que je suis déjà sur cet épisode. Donc on se retrouve au troisième épisode. Et puis j'espère que ce jeu va vous plaire. Enfin, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et un maximum de likes. Moi je vous dis à la fois prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye bye. Vous y trouverez des images.